Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Au cœur de la polémique que recherchent certains pharisiens autour de la question du divorce, Jésus rappelle que le chemin de Dieu est celui de l'amour fidèle. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage est une manière d'honorer le Dieu de la vie. L'amour dans le mariage, dans la fidélité, est un témoignage pour le monde. L'engagement dans le mariage est un défi, comme l'est d'ailleurs toute mission reçue du Seigneur. Un défi qu'on ne peut relever que si nous laissons toute sa place à Dieu dans nos vies. Demandons-lui souvent de nous guider, de nous encourager, de nous fortifier dans cette alliance. Demandons-lui la persévérance et la patience. Comptons sur lui dont l'amour ne fait jamais défaut. Toute vie est invitée à s'ajuster à l'amour permanent, toujours offert de Dieu, pour grandir, s'épanouir, se bonifier. La manière dont nous aimons dit l'amour de Dieu. En prenant chair de notre chair, Jésus illustre la grandeur de notre humanité dans ce qu'elle a de plus charnel. Corps et âme, nous apprenons à aimer. Au regard de Dieu, l'autre n'est pas un objet, il est celui ou celle qui peut enrichir ma vie. Dans le mariage, l'important est la complémentarité des deux êtres d'égale dignité. Deux êtres qui chaque jour apprennent à s'aimer en puisant cet amour à sa source. En Dieu lui-même. Seulement voilà, il arrive que le mariage soit rompu pour de multiples raisons. Il arrive que l'amour de deux êtres soit blessé. Faut-il alors jeter l'opprobre sur ces personnes? L'Évangile dit clairement que non, bien au contraire. Quand un frère, une sœur en humanité, quand un couple est en danger, notre mission est d'être présent à leur côté avec miséricorde. Nous ne voyons jamais Jésus fermer la porte à une personne qui chute. Souvenons-nous de ce qu'il dit à la femme qui va être lapidée par des hommes. « Femme, personne ne t'a condamnée ? Moi non plus. Vas en paix et ne pêche plus. » Gardons en toutes circonstances un cœur ouvert, capable de compassion et de pardon. Soyons capables de compréhension dans l'accompagnement de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Dieu nous a voulu capables d'aimer. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.